La raide de Noël. Première partie. Santé Canada considère que l'écoute prolongée de la musique dans cette vidéo n'est pas dommageable pour la santé auditive. Seulement pour la santé mentale. Sur le cathlon s'en vont les lutins derrière le volant. Et les jeeps joyeusement s'amusent à travers les grands champs. Dans les sentiers, ils passent les fossés, mais ils sont heureux. À qui fait bon se donner de la misère dans ces trous vaseux? Olly hop, olly hop, olly hop, ohé, ohé du Wrangler. Installez bien votre winch sur vos bolides. Olly hop, olly hop, olly hop, ohé, parce qu'on se prend solide. Y'ont pas de génie, ils se font aller des vrais crinqués sur le cathlon, sans vent, les lutins derrière le volant. Et les jeeps joyeux, on s'amuse à travers les grands champs ensemble. Sur le cathlon, sans vent, les lutins derrière le volant. Et les jeeps joyeux, on s'amuse à travers les grands champs. Les lutins, y'a du fun. Moi, j'aime ça! Mais c'est pas chaud, hein, la boîte glacée de même. Vraiment pas chaud. Brrr. Avouez-le. Vous avez le goût de chanter, hein? Ben oui, je le sais. Ça reste en tête, cette petite musique-là. Je comprends pas. J'ai vraiment, vraiment, vraiment juste un pied de gelée. Juste un. Avez-vous une explication? Hey, ça, Julien! À cette heure, ben, ça va se carcer. Ouais. Les textos, voilà, ça a l'air. Pas sûr, moi. J'ai roulé sa glace, ça a bien été, puis elle m'a emmené, ça a fait. Ouais, il a pogné sa glace. Hey, appelle Wesley, il est c'est ça, ouais. Après moi. Marlène, qu'est-ce que tu y faisais? Partout. Il s'en vient. À la rescousse. C'est lui, là. J.S. Il a l'air de rien de même. Là. Mais il chauffe tout un bolide. Et voici. Passe-partout. On est loin de Passe-partout qui trouvait des surprises dans son baluchon. Le Passe-partout, il a trouvé Julien dans un fossé. Tu recules, Jean-Samuel. Fallait juste que je creuse des stoppers. C'est parti. Et on tire. Lentement. Mais sûrement. Et on tire. Mais ça, Sébastien va s'essayer, ils ont passé comme de rien. C'est sûr que s'il y avait eu ses 35 pouces, il y aurait eu bien plus de facilité à sortir de là. Ah, si t'avais eu tes 35 pouces, ça aurait passé. Mais c'est à cause de tes petits trous, Julien. Oh, il y a des morceaux. Ah non, c'est de la glace. Tu vas me tasser, mon père. Il va être tous les deux.
trop fort, une deux d'amour. À cette heure que Julien est sorti, J.S. se demande « J'y vas-tu? J'y vas-tu pas? J'y vas-tu? J'y vas-tu pas? » C'est tout un trou. Je suis pas sûre. Je réfléchis. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, oui, d'aller. De reculons. Pas de niaisage. Ah, mais lui, il a du virer de bord! Non, 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 c'est clairement, il n'y a rien à faire. Faut essayer de le battre plus que ça. C'est ton bas de laine qui t'empêche d'y aller. Ah ouais, chante ici. Là, ben, comme d'habitude, c'est Shrek. Shrek de Winch qui va le sortir. Il graffine tout, ça va. Non, mais c'est quand même impressionnant. Regardez-moi ça. C'est fort, un witch. Regardez les roulières dans la boue. Que J.S. passe partout, laisse là. Vraiment impressionnant. Là, J.S., il est content. Il a laissé sa trace. Sa trace ou... sa marque de commerce.